vais en profiter pour remercier Pierre. Mais c'est pas Radio Courtoisie. Hein. Non, c'est pas Radio Courtoisie. Bon, je tiens à dire parce qu'il n'y a pas que la droite et Réac qui a le droit d'aimer la musique, ce qu'ils appellent la musique classique. Et d'ailleurs, c'est pas de la musique française et c'est pas de la musique classique. Et voilà, et c'est une histoire de temps, de contre-temps, la fin du temps. Et les gens de droite comprennent rien, ils croient que la musique classique c'est joli alors que c'est pas du tout joli. Bach justement c'est une réflexion de deux choses qui se répètent sans fin, qui est un univers concentrationnaire enfermé, qui est le contraire du beau, et c'est une réflexion sur la fin du temps et non pas la fin des temps. Voilà. Exactement. Donc ici c'est pas Radio Courtoisie. Voilà. Donc ici c'est émission Radar numéro 126 du 2 décembre 2021. En direct de l'atelier de Pierre Merechkowski, voilà, à Paris. Donc c'est notre premier direct dans le cadre du retour mensuel de nos émissions Radar, tous les premiers jeudis de chaque mois, de 19h à 20h. Donc ce soir, comme pour toutes les émissions Radar, notre ami Marc, qui est derrière son portable et son stabilisateur et qui s'est fendu d'un abonnement payant à Streamlabs pour que vous puissiez avoir une qualité à la fois audio et vidéo sur ces reprises d'émissions. Donc, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir aux vaccinés et aux non-vaccinés. Bonsoir aux terriens de tous les genres et de toutes les espèces. Là où le gouvernement néocolonial français envoie en urgence ses milices armées en cas de fièvre sanitaire et sociale, la quasi-totalité des populations sont contaminées par un pesticide ultra-toxique utilisé massivement de 1972 à 1993 dans les bananeraies, j'ai nommé le chlordécone. Je dédie cette émission aux Guadeloupéens et aux Martiniquais qui luttent pour leur vie et pour le respect des territoires auxquels ils appartiennent. J'aimerais aussi dédier cette émission à toutes les personnes qui luttent courageusement et anonymement contre un cancer, que celui-ci soit lié à l'amiante, aux pesticides, à une invisible contamination nucléaire, à des nanoparticules, ou que ce cancer soit une conséquence sanitaire d'une addiction taxée, voire illégale, parce que les cancers représentent en France la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme, les maladies cardiovasculaires étant malheureusement la première cause de décès chez les femmes. Comprenne qui voudra, de Paul Éluard, petit instant poésie. En ce temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait des filles. On allait même jusqu'à les tondre. Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. Ceux qui votent, comme ceux qui s'abstiennent, sont coupables de subir les mortelles conséquences des politiques institutionnelles, sanitaires, sociales, nationales et internationales, relayées par les non-choix électoraux, putschistes ou autoproclamés de tous les systèmes militaro-industriels. Nous sommes toutes et tous coupables. Les chômeurs sont coupables de ne pas exercer d'activité salariée. Les réfugiés sont coupables de fuir les persécutions, la misère, la répression, la guerre, et de se noyer dans nos bras de mer. Les bus low-cost, l'augmentation du trafic aérien, les pavillons de complaisance, la gestion comptable des forêts, la privatisation des transports ferroviaires, le réchauffement climatique, coupable. 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 La suppression de l'USF, les gilets jaunes, coupable. Coupable. La démographie galopante, coupable. Coupable. Les stupides rebelles collapsologues qui brûlent des trottinettes électriques au lithium sur la place parisienne de la République. Coupable. Le bois, le charbon, le gaz, le pétrole, le nucléaire. Coupable. Les zoonoses. Coupable. Les guerres. Les gouvernements. Les religions. Coupable. Coupable. Le sida. La pollution coupable. Au plomb de l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'amiante des toitures de Lubrizol. La pollution de la Seine avec nos œufs usés. Coupable. Coupable. En ce temps-là,
pour ne pas châtier les coupables, les médias maltraitaient leurs victimes. Coupable, bien sûr. Bah oui, le 7 juillet 2006, le groupe Bolloré a acquis 40% du capital social de l'Institut de sondage CSA, dont il est détenteur à 100% depuis 2008. De toutes nos culpabilités. En 2021, le groupe Bolloré a annoncé la création d'un programme international de bourse académique baptisé Archi-coupable. Earth Talent by Bolloré, son axe prioritaire, je vous le donne en mille, l'autonomisation de la jeunesse, coupable. Mais également la santé et l'urgence humanitaire. Alors, faut-il châtier les instigateurs de la future monnaie coloniale bolloréenne? Non, juste les coupables. Alias ECO. Parce que vous savez, ils ont passé un projet de loi qui convient tout à fait à Bolloré pour essayer de remplacer le franc CFA. Alors, le franc CFA, aujourd'hui, on dit que c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, alors qu'à l'origine, cet acronyme CFA, c'était colonies françaises d'Afrique, et aujourd'hui, ils disent que c'est communauté française en Afrique. Donc, ils ont décidé que tous les États francophones de l'Afrique de l'Ouest allaient passer à une monnaie dite éco, ce qui allait permettre à des grands groupes comme le groupe Bolloré de pouvoir continuer à assujettir l'ensemble de l'économie de ces pays et accaparer les richesses, les plateformes de distribution, enfin tout quoi. Donc, le châtiment des coupables n'a jamais supprimé les causes systémiques de toutes les mortelles conséquences sanitaires et sociales, de tous les crimes institutionnels et intergouvernementaux, en partenariat public-privé, de tous les nuisibles systèmes militaro-industriels. Donc, au-delà de la culpabilité entretenue par les médias, on se rend bien compte que l'idée de punition, donc l'idée de culpabilité, de culpabiliser et de se sentir coupable, et l'idée que la punition soit reliée à une culpabilité qui elle-même est déterminée par des gens un petit peu, je dirais même carrément autoproclamés, parce que en temps de paix, toutes les sociétés humaines qui exploitent les territoires et leurs populations font de leurs quotidiennes victimes sanitaires et sociales celles qui paieront le lourd tribut du sang lorsque viendra le temps de chercher à accaparer les ressources de populations et de territoires étrangers à leur suzeraineté par le choc et l'effroi de la guerre. Donc on voit bien que être population d'un État-nation, c'est de toute manière être otage sur un territoire et donc d'être obligé de payer un tribut. Donc quand les États décident la guerre, tu payes avec ta vie, avec ton sang, et en période de paix, tu dois passer par des activités qui vont être gérées par ces mêmes seigneurs et maîtres. Et moi, j'écris seigneur pas avec EI, mais avec AI, parce que effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, quand on essaie de criminaliser et de diviser des victimes, donc les victimes d'une pandémie, parce que les gens vaccinés ou non vaccinés sont tous des victimes. Quand on essaie de les diviser et d'instrumentaliser les uns contre les autres, eh bien, c'est le fait de qui ? C'est le fait de gens qui sont responsables des causes systémiques de la pandémie. Donc, la dissymétrie intrinsèque de tous les conflits tenait au fait que la puissance militaire ou industrielle nucléarisée n'était accordée sans contrainte qu'aux États-nations suzerains des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les filières nucléaires israéliennes et saoudiennes semblent médiatiquement innocentes face à la diabolique filière nucléaire iranienne. Pourtant, toutes les activités nucléaires anthropiques et leur intrinsèque contamination radioactive sont antinomiques avec le respect de la viable pérennité génomique. Ce sont les autorités politiques, scientifiques, techniques, médicales, confessionnelles, qui déterminent qui est coupable. La loi détermine le crime, et plutôt que de lutter contre l'origine du crime, elle s'attache à infliger une peine à celui qu'elle désigne comme coupable.
Au pays où être athée est un crime, un prince peut commanditer l'assassinat d'un journaliste sans jamais être inquiété par la Cour pénale internationale. Dans un monde où l'origine d'une pandémie n'est pas déterminée, les victimes de cette pandémie sont désignées par les autorités nationales et internationales comme les responsables et les coupables de sa propagation. Les victimes vaccinées ont pour devoir de dénoncer les victimes non vaccinées en tant que coupables présumés de bioterrorisme. Les victimes non vaccinées doivent, à leurs frais, faire la preuve biologique de leur non-culpabilité afin de profiter de l'état de liberté conditionnelle qui est celui de toutes les victimes vaccinées. Qu'il s'agisse d'une zoonose, d'une contagion intentionnelle ou accidentelle, la possibilité d'enquêter librement et de manière indépendante en République populaire de Chine peut se mesurer à l'aune des informations dont nous disposons pour pouvoir évaluer l'ampleur de la contamination nucléaire liée aux fuites de l'EPR chinois de Taishan, qui est une ville voisine de Macao et de Hong Kong. Alors je cite « La commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, CRIRAD, a annoncé avoir été contacté par un lanceur d'alerte qui prétend savoir que l'incident nucléaire survenu en juin dernier sur le EPR chinois de Taishan était dû à un défaut de conception de la cuve, un problème qui pourrait également affecter le EPR de Flamanville. » Donc ça, c'est un article de l'Usine Nouvelle du 29 novembre 2021. Ce qui a été décidé en France par un gouvernement provisoire en 1945, sans aucun débat ni vote, est imposé de manière antidémocratique par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, donc les énergies renouvelables sont délibérément exclues de l'intitulé, certainement afin de ne pas confondre énergie et électricité, voire énergie et pétrochimie. Voilà ce que l'on peut lire dans le hors-série 2020, spécial 75 ans du CEA, en conclusion d'un article intitulé « Une nouvelle ère de la médecine ». Reste à mettre en œuvre cette nouvelle approche de la médecine au plus près des patients et des cliniciens. C'est tout l'enjeu de PASREL, alors PASREL, centre de recherche dédié au transfert des innovations technologiques à l'hôpital, attendu à Saclay dès 2025. Vincent Lebon, du CEA Joliot et professeur de médecine de l'Université Paris-Saclay, l'affirme. Au sein de PASREL, le CEA apportera une contribution majeure à la médecine de demain en connectant étroitement ses équipes de recherche aux hôpitaux et aux industriels. Fin de citation. Cette médecine industrialisée est une médecine standardisée et comptable. Le patient n'a plus rien à attendre. C'est-à-dire il a pu à faire preuve de patience, notre patient. Car dès à présent, la prescription personnalisée et le secret médical sont autoritairement sommés de se plier aux accords secrets de contrats passés entre des conseils d'administration privés de grands laboratoires pharmaceutiques, des institutions médicales, privées et publiques, des syndicats corporatistes aux origines collaborationnistes, des autorités gouvernementales et des gouvernances intergouvernementales. Cela est totalement antidémocratique, voire inconstitutionnel. Si la contagion est une zoonose, alors nous devons exiger une réduction drastique du commerce international maritime, routier et aérien et créer des zones à respecter où les activités industrielles sont prohibées et les activités agraires totalement biologiques et circulaires. S'il s'agit d'une contagion intentionnelle ou accidentelle, nous devons exiger le vital arrêt immédiat, inconditionnel et définitif des financements publics et privés de toutes les recherches scientifiques et techniques ayant pour but direct ou indirect de rendre pathogènes pour l'espèce humaine des virus ou des bactéries, voire de créer des composés chimiques et biochimiques dans le même mortel et nuisible but. Sans ces vitaux préalables, sanitaires et sociaux, toutes les mesures sanitaires et sociales prises actuellement
sont voués inéluctablement à des échecs systémiques permanents. Doit-on se résoudre à cet état d'urgence sanitaire reconductible, à la réduction conditionnelle et autoritaire de notre espace social, par une privatisation virale que nous sommes fiscalement obligés d'entretenir tout en étant juridiquement contraints de faire les choux gras de grands laboratoires pharmaceutiques ou de faire le libre choix d'assumer la responsabilité légale des éventuelles conséquences de cette pandémie en cas de refus à consentir d'être le cobaye d'une lucrative expérimentation médicale mondialisée. Comment sortir de la mortelle impasse carcérale qu'est l'inique constitution française néocoloniale de 1958 ? Comment échapper à l'arbitraire de ces monarques élus qui règnent avec leur criminelle cour d'affairistes par décret et par ordonnance ? Voilà la vraie question. En tant qu'anarchiste, en 2022, nous voterons pour une non-candidate, une personne qui pense aux autres avant de penser à elle-même, une personne qui refuse les hochets et les ors du pouvoir délégué, une personne qui peut, à notre humble avis, restaurer la chose publique, c'est-à-dire la République, sur les territoires auxquels nous appartenons. Ce que le MEDEF a détruit ces 20 dernières années peut être reconstruit, mais sur des bases plus solidaires, pérennes et surtout démocratiques. Les conditions techniques de l'abolition de l'esclavage salarial, de la fin des armées de métier, de l'abandon des abominables, dangereux et dispendieux arsenaux nucléaires, ainsi que la mise en place de pouvoirs directs locaux capables de structurer de manière fractale et solidaire nos futurs choisis, sont historiquement réunis. Nous pouvons parfaire le programme des jours heureux des résistants d'hier à la lumière de nos résistances sanitaires et sociales présentes. Cette candidate aux qualités humaines et aux compétences reconnues est pour nous Madame Annie Thébaud-Mauny. En 2022, nous voterons Annie Thébaud-Mauny pour mettre légalement en place un processus constitutionnel pour sortir définitivement de l'impasse sanitaire et sociale de l'inique constitution militaro-industrielle française de 1958. Pour défendre la paix civile, sanitaire et sociale, je vous appelle toutes et tous à œuvrer pour réunir les signatures d'élus indispensables pour nous donner l'opportunité salutaire et légale d'élire la première et la dernière présidente de la Ve République française. Donc par rapport à ça, et par rapport à la culpabilité, j'aimerais qu'on puisse parler de tout ça et plutôt débattre de tout ça, parce que c'est pour moi la chose la plus importante. Actuellement, on voit tous les états-majors politiques et syndicaux en sont essayés de faire des primaires pour désigner des candidats. Seulement, dans le discours, ces états-majors, ils ont accompagné cette politique qui a consisté à culpabiliser les victimes, et à aucun moment ils n'ont lancé des propositions qui viseraient à s'occuper réellement de notre santé. C'est pour ça que de manière un peu ironique, j'avais marqué en faisant un visuel qu'il fallait pas oublier de se faire vacciner contre les pesticides, contre le nucléaire et contre l'amiante, parce que effectivement, on aurait pu même mettre contre le chlordécone, parce que la grève générale qu'il y a actuellement en Guadeloupe et en Martinique, elle a quand même, on nous la présente ici comme étant un problème de passe sanitaire, alors que réellement, c'est une grève à la fois des pompiers, des personnels soignants, qui sont, par rapport au manque de moyens, par rapport au fait que l'on ne s'occupe pas des missions qui théoriquement sont celles de l'État. Et ces gens-là le ressentent d'autant plus durement qu'effectivement, ils font partie dans ce qu'on appelle de manière assez hypocrite les départements et territoires d'outre-mer, et ils sont dans une situation où, à cause du fait qu'ils soient insulaires, beaucoup de produits de consommation sont beaucoup plus chers qu'en métropole, parce que tout vient par bateau. Voilà. Pourquoi ? Parce que sur place, ils ne peuvent plus cultiver la terre, parce que la terre est pourrie
par le chlordécone des bananeraies. Et donc c'est un vrai problème sanitaire et social extrêmement profond qui n'est pas lié du tout au gouvernement Macron, qui est lié à la politique coloniale et néocoloniale française, et qu'aucun parti politique et que aucun syndicat métropolitain n'en tient compte. C'est-à-dire n'a de programme par rapport à ça. Qui parle dans quelque programme politique que ce soit à grands frais de retirer une partie de la terre pour la remplacer par de la terre non polluée. Il n'y a que comme ça que ces gens pourront retrouver une autosuffisance alimentaire. Il faut voir qu'actuellement, si la majorité de ces populations sont contaminées, c'est que ce sont des populations majoritairement avec un faible pouvoir d'achat, et donc les gens cultivent la terre. Et effectivement, un légume qui pousse et qui est rempli de chlordécone, c'est comme un légume qui pousse sur une terre contaminée par du césium, ça ne se voit pas, ça change pas le goût de ce que tu manges. Seulement, à plus ou moins long terme, ça change grandement les statistiques au niveau soit des maladies radio-induites, soit des cancers. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tant au niveau des pesticides que du nucléaire, les cancers ne représentent qu'une partie des pathologies létales qui sont induites par ces produits cancérogènes. Et donc ça, c'est un vrai problème de fond. Et on le voit actuellement, on nous parle de pandémie, on envoie tout plein de directives contradictoires, mais c'est fait sciemment. C'est-à-dire c'est fait pour nous désorienter. C'est un petit peu comme dans les centres commerciaux, quand on change les produits de place et on met au niveau des yeux les produits les plus chers et on va placer tout en haut les produits les moins chers pour que les gens petits et les vieux puissent... voilà. Il y a Pierre qui veut intervenir et c'est vrai que je suis très d'accord. Non, mais c'est pas grave. Je vais juste lire un texte. Oui. Une minute comme ça, on arrête pas plus de ça, c'est pas trop long. D'accord. Alors, note de service, objet réunion restreinte. La confidentialité est un devoir, le silence est un droit. Je tiens à apporter quelques précisions concernant la question de la plasticité du cerveau que nous avons évoquée lors de notre précédent comité restreint de notre réunion de pilotage. Je me permets à cette occasion, mais est-ce bien nécessaire, de vous rappeler l'importance extrême de la confidentialité de nos échanges informels. Les récentes découvertes concernant la chimie du cerveau ont apporté l'irréfutable preuve que la zone du langage se répartit suivant un rhizome névralgique dont le schéma de transmission demeure à ce jour une énigme pour nos préfets bardés de diplômes. Il est en effet désormais évident que nos opérations de maintien de l'ordre reposent également sur ce système névralgique de notre langage. Les forces subversives ne se concentrent pas sur une zone clairement identifiée par un porte-parole d'une organisation politique ou culturelle. Et donc, il est évident que les forces subversives se transmutent sous une forme de rhizome qui échappe à la modélisation de nos algorithmes. Ainsi que nous en avons largement débattu lors de notre dernier comité de pilotage, nos opérations d'infiltration et de noyautage doivent désormais se fondre dans un schéma de rhizome indépendant. Nous devons faire preuve d'unité et d'indépendance. Nos opérations d'infiltration seront désormais complémentaires avec les alliances de circonstances pilotées par nos missions diplomatiques, étant naturellement bien entendu que les différentes sections de nos services poursuivront la rédaction étayée par des faits de ces mises en garde nominatives qui, par un effet d'auto-intoxication, nous ont permis dans un passé encore récent de débusquer les traîtres et les renégats. L'heure est grave. Le noyautage, l'infiltration, l'extorsion des fonds, appuyés sur les chantages, appartiennent désormais à un passé à jamais révolu. Je comprends naturellement que les réticences qui pourraient exprimer certains d'entre vous, qui ont tenté d'attirer l'attention de nos élites gouvernementales, sur les dégâts qu'a provoqué une auto-intoxication qualifiée de moderniste par les diplômés de tous bords qui se sont rués à l'assaut de notre service en se prévalant, et je le reconnais bien volontiers, avec une certaine habileté, derrière le concept du euro, un euro investi doit rapporter un euro, qui vous en conviendrait sans doute, et sans peine, aurait pu présenter dans d'autres circonstances l'élément d'une joyeuse farce spontanée. Au risque de me répéter,
Je tiens à vous rappeler que notre réflexion commune et sereine, qui ne présente aucune similitude avec un phénomène d'auto-intoxication hystérique, nous impose de reconnaître sans aucune contestation possible que les activités subversives des professionnels du désordre agissent suivant le même schéma que le schéma en forme de rhizome du langage. Les manifestations hebdomadaires sur les ronds-points de la République échappent à la logique du maintien de l'ordre républicain et à tout encadrement par un comité central, étatique, syndical ou politique. Notre noyautage sous forme d'infiltration décentralisée et autonome dans les structures répertoriées dans la rubrique « action culturelle » devient à son sens une nécessité. Il convient cependant de dissocier le laxisme du fondamentalisme. Il est hors de question de transformer notre service en un bureau d'achat d'œuvres plus ou moins moderne ou à défaut d'avant-garde, l'avant-garde étant ainsi que nous l'avons toujours constaté à notre niveau, l'arrière-garde d'un mouvement qui obéit encore une fois au principe de plasticité de notre cerveau. C'est en effet en nous faufilant dans les interstices des artistes performeurs que nous parviendrons à contrôler les connexions neuralisées d'un mouvement social qui désormais échappe à une logique qui était fondée sur l'obéissance absolue à nos chefs, que ce soit le chef d'État, le chef de gare, ou bien sûr le chef d'orchestre. Cette dernière référence, bien sûr, n'est accessible qu'aux anciens qui ont été confrontés à la barbarie nazie et stalinienne. Et je tiens en ce sens à attirer votre attention qu'il est impossible de savoir le bénéfice que nous avons retiré de cet asile qualifié de politique que nous avons octroyé à ce Piotr officiellement persécuté par une puissance étrangère qui ne se comporte plus comme un bloc hostile et homogène. En effet, les blocs étatiques, comme les blocs policiers, obéissent aussi à ce phénomène de plasticité de nos cerveaux disponibles. Le cerveau est l'univers, et l'univers est cerveau. Il serait donc stupide, et je dirais même parfaitement erroné, de considérer que l'éviction du candidat à la mairie soit un succès. Le succès appartient à des règles qui pour l'instant nous échappent. Qui, en effet, aurait pu imaginer un seul instant que ma fille Alexandra, que vous connaissez tous, prendrait, contre toutes nos attentes, la décision de filmer sur ses seins l'éjaculation de ce Piotr qui avait semblé échapper au contrôle de son agent traitant, qui était devenu lui-même la marionnette de cet avocat, qui n'agissait manifestement que pour une réalisation politique dont encore aujourd'hui les objectifs nous paraissent d'autant plus obscurs si nous les replaçons dans un champ habituel de nos connaissances de notre géopolitique. Il n'y a plus de comité central. L'humanité s'est affranchie du patriarcat et des 10 commandements du règlement d'une copropriété planétaire. La multiplication des rhizomes et l'absence de comité central renforceront notre plasticité commune. Ne commentons pas l'erreur de nous diviser. La plasticité en forme de rhizome n'est ni le bordel, et encore moins une forme d'une anarchie totalitaire. Nous sommes tous conscients de notre responsabilité. Une observation scientifique et rigoureuse finira tôt ou tard par expliquer l'agencement de ce schéma en forme de rhizome neurologique qui détermine l'apparition de luttes sociales, politiques et culturelles, pour ne pas dire affectives, qui n'obéissent plus à une logique électorale et à la bonne conscience des entreprises culturelles et de la réinsertion nationale. Je vous demande de ne pas vous laisser envahir par la panique. La grève de la faim de Piotr, commanditée par l'avocat, obéit à cette nécessaire observation de cette plasticité nationale qui est appelée à se fondre, malgré tous nos efforts, dans une plasticité internationale. Rappelez-vous tout ce qui est évident. Les informations précises que nous avons recueillies au fil des années sur le rôle de l'agent traitant de Piotr ne nous ont pas empêchés par cet effet de plasticité de retourner en notre faveur les névroses de Piotr qui par leur plasticité ne pouvaient provoquer que des vagues, je pourrais même ajouter des vaguelettes, dans le poste de commandement que nous surveillons et qui nous surveille toujours suivant ce principe de plasticité qui rend impossible toute prévision. D'ailleurs, cette prévision ne présente qu'un intérêt limité. Personne ne pouvait parmi nous espérer que le transfert d'un disque dur dans un disque dur par un effet de plasticité numérique aboutirait à la mise à l'écart d'un candidat à la mairie qui avait été mis en place avec la seule attention de révéler les failles d'un service qui devait se fondre pour d'évidentes raisons dans le corset contestataire de cet avocat qui toujours, par effet de plasticité, devait entraver la marche résolue d'un groupe qui avait su agir sur la plasticité des organisations qui se présentent toujours, par un effet de plasticité, être les représentants des travailleurs et des citoyens. Aussi, encore une fois, je vous le répète, les attitudes frontales du passé avec un ennemi sont révolues. Notre absorption contrôlée de la plasticité des luttes sociales incontrôlées deviendra l'expression d'un nouvel ordre qui, je n'en doute pas, finira par trouver la règle neurologique qui révélera scientifiquement les règles de la plasticité de notre cerveau et donc du corps social. Ces temps, n'en doutez pas, sont proches. Je ne vous demande pas de céder à la panique. Je vous demande de ne pas céder à la panique. La dissolution volontaire en tant que commis central
de notre comité de pilotage, restreint ne signifie pas la dissolution de l'État. PS. Je profite de cette remise en cause, que j'espère salutaire, pour vous préciser que le fait que ma fille affirme être tombée amoureuse de Piotr ne modifie en rien cette règle de la plasticité de notre comité de pilotage restreint. Restons unis. Signé Alexander qui Alexander, chef de service des cerveaux disponibles. Voilà. Merci pour cette intervention assez obscure qui mériterait sans doute des explications, mais que je suis totalement incapable de donner, étant moi-même le jeu de ma plasticité du cerveau. Pendant que tu parlais, tu avais une auréole au-dessus de ta tête. Ah bah c'est encore mieux. Oui, bah c'est normal. Hein. Je sais pas si c'est voulu. Mais c'était de circonstance. Et c'est très bien parce que c'est oui. L'émission radar en direct avec le tournage à l'intérieur du tournage. Ah, c'est pas un tournage, hein, c'est le tournage de texte. Non, mais ce que je veux dire, c'est Dickien. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est l'émission ou si c'est la lecture d'un texte, si c'est une pièce de théâtre. Si c'est-à-dire qu'on sort du cadre de l'émission de radio. On ne sait pas ce que c'est. Oui. On ne sait pas ce que c'est. Non, c'est pas moi non plus. Et c'est pour ça. Alors, théoriquement, ça s'appelle récit d'autofiction politique. Ah, alors, c'est pas comme Christine Angot qui fait l'autofiction, moi c'est l'autofiction politique. D'accord. C'est une nouvelle rubrique et j'espère que les sociétés d'auteurs vont ouvrir cette rubrique qui nécessitera subventions, commissions, paiements, taxes sur taxes, enfin tout un dispositif qui nous permettra de constater que les sociétés d'auteurs, comme les sociétés soviétiques d'auteurs de jadis, décide qui peut écrire, qui peut être payé rémunéré. À l'exception... Ah, c'est la même chose que la culpabilité, alors. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un groupe d'auteurs qui décide, toi, en tant qu'auteur, tu seras publié, tu auras une subvention, toi, tu n'as rien. Toi, tu es méritant, toi, tu n'es voilà. pas méritant. Sauf, voilà. Sauf, contrairement dans le soviétique, ceux qui ne sont pas méritants, on ne les met pas en prison. Mais, parce que j'ai eu ce débat avec quelqu'un de ce type d'auteur, qui m'a donné cet argument, mais je lui ai dit, oui, mais vous obéissez quand même à des directives. Et il m'a dit, quelle directive? Il n'y a pas de directive pour les commissions. Et je lui dis ici la directive de la classe dominante. Et il n'a rien répondu. Il est resté scotché. Pourtant, c'est un ancien de la LCR. Mais je ne vais pas dire son nom, l'icône il serait bien sûr. C'est comme le comité invisible. C'est les... Non, il n'a pas répondu. Il était surpris qu'on remplisse ce mot la classe bourgeoise, qui est des véhicules des valeurs dominantes, qui impose ses lois d'une manière inconsciente et qu'on ne peut pas. Comme un virus, en fait. La classe dirigeante n'a pas besoin de comité central. Elle est virale parce qu'elle est. Elle se reproduit avec des erreurs de petits schémas qui peuvent arriver, comme exactement que le virus. Mais elle a sa propre logique, elle obéit à son propre fonctionnement. Et naturellement, dans la commission décidant qui aura une subvention pour écrire un livre, il est hors de question qu'il y ait un ouvrier, un balayeur. Parce que, m'a-t-on dit, justement, nous ne sommes pas comme Staline, nous ne faisons pas croire au peuple que le balayeur puisse être capable d'être un écrivain. Or, qu'était Molière ? Qu'était Molière ? Et qu'était Faraday ? Faraday était ouvrier typographe, voilà, et c'est en lisant... Alors, comme dit Radio Courtoisie, qui ne l'a jamais dit, oui. Molière faisait le ménage. J'ai la preuve. Bien sûr. Il faisait le ménage, la vaisselle, tout. Alors, Adolphe Courtoisie ne veut pas prendre directeur ça. Directeur de théâtre non. Oui, directeur de théâtre, mais il faisait le ménage, la vaisselle. Il était même tapissier. Tapissier, enfin. Là, il n'y en a pas. Si, si. Non, mais elles sont cassées. Non, mais sérieusement, c'est pas prudent. Alors, il y a des toilettes de secours dehors. Alors, pour l'intermède, où sont les toilettes Non, mais c'est pas l'intermède, ça fait partie. Oui, mais bien sûr, ça fait partie de l'émission. Je n'ai pas pu le. Eh bien, vas-y, Bruno. Et on a commencé l'émission en musique, on verra si avec Pierre on va la terminer en musique, mais le thème c'était quand même coupable, et donc si ça peut permettre à beaucoup de gens qui avaient un sentiment de culpabilité, soit parce qu'ils se sont fait vacciner, soit parce qu'ils ne sont pas vaccinés, eh bien j'espère que ce sentiment aura dégagé en touche, étant donné que il faut, dans les instants qui viennent, il faut prendre le parti d'en rire, parce que sinon c'est pas franchement les gens qui s'adressent à nous qui vont nous faire rigoler ni sur le fond ni par la forme. Donc
Donc, prenons le parti d'en rire. Et Pierre, est-ce que je peux te demander de nous jouer un petit morceau, comme ça on aura commencé en musique et on va terminer en musique cette émission, cette reprise de nos émissions mensuelles Radar. Je vous dis normalement rendez-vous le premier jeudi janvier, je crois que ce sera le 5 ou le 6 janvier, je crois que c'est le 5 ou le 6 janvier, je me souviens pas exactement, peu importe. Donc premier jeudi du mois de janvier 2022, deuxième émission régulière mensuelle et en direct Radar. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous.